et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations. Et aujourd'hui, nous allons déguster de succulentes et de délicieuses animelles. De quoi ? Tiens, c'est pour toi celle-là. Hop là. Dis-moi, Popcorn, j'avais peur de te demander, mais quelle partie d'animal est-ce que c'est ça ? Eh bien, vulgairement, on peut appeler ça des baloches, des couilles. Oh my god ! T'es en train de me dire qu'en fait, ce que je tiens dans la main, là, c'est des couilles d'un animal mort ? Tout à fait, mais on peut appeler ça des amourettes, c'est bien plus joli. Mais avant, les couilles, que c'est quoi que ça ? Les couilles de mouton, François Brun, bonjour. Petite précision sémantique d'abord. Couilles de mouton, ça s'appelle des animelles. Pourquoi tout le monde appelle ça des amourettes ? Bah, je pense que c'est pour que le terme soit plus joli, en fait. On est bien d'accord, l'amourette, c'est pas la même chose. Ça se trouve dans la moelle épinière. Il faut reconnaître, c'est particulier. Oui, c'est particulier, mais il faut que ce soit bien préparé. Surtout, ça, c'est le plus important, en fait. Alors, justement, là, comment est-ce qu'on prépare, pardon de le dire, des couilles de mouton ? Bah déjà, en premier, on les épluche, donc ça nous donne juste débarrasser de leur peau comme ça. Ensuite, on les coupe en deux, on les fait pocher, on laisse refroidir. Ensuite, on les coupe en petits bouts et on les poêle avec une persillade et sel poivre. Ça fait un goût, entre le riz de veau et la cervelle, en fait. Environ comme goût et comme texture. Goût et comme texture. Goût et comme texture. Goût et comme texture. Donc ça fait peur par rapport au nom. Mais en fait, la texture est très bonne. Alors il faut savoir qu'on peut cuire les couilles dans du vin ou dans leur jus pour un goût plus subtil. On pourrait dire qu'il y a comme une couille dans le potage. Et voilà ce que j'ai envie d'appeler un succulent chez les couilles carnées. Bon appétit. Pourquoi t'as fait ça? Je pense qu'il faut avoir les couilles pour manger ça. Je sais pas, j'ai des problèmes maman. La texture crue, c'est hyper marrant, j'adore jouer avec. Bref, passons à la dégustation. Mange. Alors le goût est pas tip top, sérieux. Mais la texture est pas désagréable. Ah oui, tout à fait. Surtout que bien frit comme ça, ça se mange avec un pic style tapas. Et ça, c'est très très bon. Attends, je vais goûter moi. Ça pique un peu, je trouve en bouche. C'est pas mauvais. Ah bah, j'étais juste venu pour un barbecue, hein, mais c'est complètement parti en couille. La situation de Warren est devenue critique. Son scrotum est tellement volumineux qu'il doit porter un immense sweatshirt à capuche en guise de pantalon. Marcher sans perdre l'équilibre relève déjà de l'exploit. Ah oui, tout à fait. Merci François Brun. Ok, petite annonce. Je ne pourrai plus assurer la sortie régulière des étranges dégustations. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y avait une vidéo toutes les 4 ou 5 semaines. Je n'ai plus de budget pour cette émission. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout, hein. Mais je n'aurai plus de régularité avec les étranges dégustations. Voilà. En plus, c'est pas plus mal parce que je vais essayer de changer un peu le format, parce que le format qu'il y avait, je le trouvais un petit peu bancal, contrairement à votre table qui sont plutôt très propres. Voilà. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une étrange dégustation, mais je vous dis à bien plus vite pour un à votre table. La grosse bise, tchou !